Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, on est au CF Brushless à Viglin, n'est-ce pas? C'est une édition 2021. On est avec monsieur Stéphane Matteo qui nous accueille sur le stand Obitech Connect. Et il y a une petite nouveauté en primeur, voilà, spécialement pour la chaîne, ça fait très très plaisir. Donc tout d'abord, comment ça va Stéphane? Très bien, merci, impeccable. Super. Bonjour à tout le monde. Ça se passe bien au niveau de ta participation sur ce CF? Toujours. Super, parfait. Quand on roule, on fait plaisir, c'est le principal, c'est le but. Impeccable. Et donc, tu voulais nous présenter une nouveauté, Oui, c'est une nouveauté du week-end, tout à fait. On a donc des accus 4S à la mode low profile, quoi, des accus rabaissés. Ouais. Voilà, pour gagner un peu de poids et surtout pour passer plus facilement sous les carrosseries. Je pense que c'est un standard sur du 4S qui va rester ces prochains temps. Bah, je suis d'accord avec toi puisque Genes fait ça avec le Redline, oui. En 130C à 6000 mAh, et là tu as un produit équivalent en termes de volume et de poids avec un peu plus de mAh, un peu plus d'autonomie. On est à 6002, légèrement plus lourd aussi, mais en termes de gabarit c'est le même. Et après les nombreux tests et tout ce qu'on a pu voir ici ce week-end, plus des tests aussi sur les Truggy, il n'y a aucun problème, ça fonctionne au moins aussi bien que les Genes. Et on est en PK, 5 mm en plus, tout à fait. Super. Donc l'idée c'est que ce développement, c'est l'idée, enfin l'envie de Connect de proposer un produit de ce type, parce que il est orienté compétition. Totalement. C'est venu comment en fait? C'est parce que on avait des accus là, depuis des années qu'on n'a pas fait évoluer, qui sont restés sur des accus des standards un peu de loisirs. Et aujourd'hui c'est vrai que vu qu'on a les RR20 qui retournent et notamment le RR21 qui va arriver, on voulait proposer un accu spécifique orienté compétition pour ces modèles. Et en parallèle de la toute nouvelle gamme de moteurs, dont un que j'utilise tout le temps moi, en ce moment sur mon Techno RC. C'est hyper cohérent, je suis d'accord avec toi. Tu roules avec ce week-end ou pas encore? Vivi roule avec, j'ai pas encore eu le temps, on les a reçus vraiment dans la semaine là. Et pas encore eu le temps d'essayer, enfin de monter sur ma voiture. J'avais essayé sur sa voiture dans la semaine. Et voilà. Et puis, par contre, voilà, on s'est partagé les accus tout le week-end avec les amis qui roulent sur le Genes habituellement. Ok, d'ailleurs où est-ce qu'elle est Vivi? Vivi. Elle est là? Elle est pas là? Elle est derrière, elle te filme. Ah elle me filme? Ah bon? Attention, tu t'es en train de prendre en photo. Ah bon? Ok, ah tu es là. Bon, toi aussi alors tu roules avec? T'as senti la différence sur la répartition des masses, l'équilibre de ton châssis? Oui, parce qu'hier j'étais totalement paniquée, la voiture était plus légère, plus vive et du coup elle allait beaucoup trop vite. Voilà, donc voilà, c'était pas du tout dans mes habitudes, parce que j'aime bien avoir des voitures un peu molles, pas trop rapides. Plus smooth quoi. Ouais, voilà. Des voitures de vieux, exactement. Ah mais il y a Max aussi. Attends, gros plan sur Max. Max, tu mets quoi comme accu là? Moi je suis un stick. Ah oui, t'es sur le X-Ray toi. Oui. D'accord, je comprends tout à fait. Ah lui, il travaille la répartition des masses hein, sur le X-Ray. Moi, il faut que tout soit en bas. Super. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Ce qu'on fera, c'est que dès que possible, quand ce sera disponible, justement, c'est disponible quand autant pour moi? Les accus, il y a un premier jet qui est dispo depuis ce week-end, là, notamment dans la boutique à côté. Haute Picardie et Modélisme. D'accord. Et Canap un week-end. D'accord. Je pense qu'il va en rester un peu pour la semaine prochaine. Je ne sais pas comment on va faire pour partager le premier jet, on va dire, d'accu. Et après, il y aura la série définitive. D'ici 15 jours, 3 semaines, je pense. D'accord. Et là, on pourra tous le commander sur plusieurs sites. Tous les magasins, tous les distributeurs. Voilà, exactement. Super. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Stéphane. Rien, ça merci. Fait plaisir. Oui. À très vite. On se tient au jus. Et puis, il va falloir qu'on essaie ça aussi sur la chaîne. Puis on fera une interview aussi avec toi pour voir, parce qu'il y a pas mal de nouveautés quand même chez Connect, et on voit qu'ils développent vraiment une gamme racing. Voilà, c'est le mot de la fin. Qui arrive aussi pour du bash. D'accord, spécial bash. 6S? Non, pas 6S, mais du 4S et du 3S. D'accord, ok. Plutôt pour du indice alors bash. Indice ou ceux qui font des mix D'accord, ok, très bien. Et ben voilà, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, exclusivité pour vous. À bientôt, big up, hey! Et merci à toi, Stéphane, merci à Vivi, merci à tout le stand Obitech Connect.